à toutes et à tous, bienvenue dans l'ouverture de cette boîte des mémoires perdues de 2020, aussi appelée Xinbox 2020 pour le coup. Vas-y, on se dégage comme ça. Alors, cette boîte, pour vous dire, ça comprend, on va lire ce qu'il y a à l'arrière, les extensions, donc l'attaque sauvage, le temps des ténèbres, le vent de la fureur, l'impact du chaos, avec beaucoup de cartes en commune, une secrète prisma, deux ultra rares, deux cartes super rares, une carte rare et 12 communes. C'est une édition française, bien sûr, on vient de l'acheter. Alors, il y a beaucoup de rééditions qui sont dedans, des cartes qu'on connaît, mais on est tous à la recherche un petit peu d'un truc spécifique. Et comme vous l'avez vu, je ne suis pas seul, puisqu'il y a une grande gamelle à côté de moi, qui va se présenter. J'ai pas encore prononcé un mot, tu dis déjà que je suis une grande gamelle. Bah ouais, dépêche-toi, je veux ouvrir ma boîte. Marine. Ah, attends, t'as 10 secondes pour faire ta présentation, attention, je fais le con. Vas-y, 1. Bonjour, c'est Secretary, et puis je vais ouvrir des boîtes de Yu-Gi-Oh! Avec Evals, voilà, je suis présentée, on peut y aller. T'avais encore 2 secondes, tu pouvais dire je suis actuellement à la recherche d'un chien. Je veux un corgi. C'est nul les corgis. Tu mettras une image de corgi. Si tu veux. Bon, moi j'ai un truc à te proposer, c'est vu que dedans il y a 3 il y a 3 mégapacks de 18 cartes. Dedans. Non, il y a 3 mégapacks de 18. 3 mégapacks, c'est les boosters mégapacks. Ouais. On en ouvre un chacun notre tour. Une bat quoi. Ouais. D'accord, on fait comme d'hab, c'est parti. Vas-y, ouvre la tienne. Bah vas-y, à toi l'honneur. Oh mais ils sont dorés. Où ça? Moi je suis une grande gueule, lui c'est un boulet. Ouais ils sont dorés. Boîte des mémoires perdues. Bon, il n'y a pas par contre de cartes promo hein, dans ceux-là. Voilà. Pour chacun, du coup tu peux virer la... Alors là, bon, bah, juste on vous la montre vite fait. Tout à l'heure, je la montre. Ouais, c'est vrai, mais oui, mon montage, bref. Donc, elle est moche en photo. Vas-y, fais du bouquin pendant que je parle, toi. Elle est moche en photo, mais en vidéo, en vrai, ça passe. Ouais. Franchement, en plus, c'est des reliefs surtout, donc c'est vachement, vachement sympa. Ouais. Après, est-ce qu'elle est plus belle que celle de l'année dernière? Elle est différente. Il y a pour moi, je préfère celle-là, à la limite. Bon, j'ai pas de préférence. Ça, c'est bien, hein. Allez, à toi l'honneur, je range. Allez, à moi l'honneur. Cliffhanger de l'héritage du monde, hein, je connais bien, je crois que c'est dans la Néo-Tempête des Ténèbres. Si on passe 3 heures. Non, mais c'est... je la connais tellement que voilà. Oui, d'accord. J'ai mais celle-là, c'est quoi Dragon Explorapide, arrête de me casser les pieds. Oh. Bah oui, mais... Salaman Grande Loupie, réincarnation d'un gardre, roquette synchronique, usine de production en plus des ténèbres, le brigand d'Andimion que j'ai aussi. Hein. Oh, panthère de laboratoire, ça c'est sympa. C'est pour les bêtes gladiateurs, coucou biscuit. Golem à Rourou, ouais. Bon, je l'ai. Eh, hey, je vais pouvoir remplacer ma carte italienne. Oui. Trop bien. Oh. Domitianus, bête gladiateur. Je crois qu'elle a recherché un peu. Oui, pas mal de gens qui le veulent. Oh, Ogo Pogo, yeah. Trop bien. Régulateur des voleurs de dents, Tirpelte chenille infini, tunnelier chenille infini, moine du tennis, ascendant feu, l'œil maléfique de Gorgoneo et charge bête gladiateur. J'ai l'impression d'être revenu un an en arrière et oui. D'ouvrir la même chose. C'est un peu français de ces beaux bottes là en fait. Bah ouais. Ah bah, un peu mouvant. Alors, esprit tennis, bah ça tombe bien parce que je voulais du tennis Mapura. Bah oui, mais c'est quoi qui brillait sur... Ok, il y a un truc qui a brillé sur toi, je sais pas ce que c'était, mais... fusion Dino Tyran, Dino Lutteur Chimère Tyrette Xlute, Dino Lutteur Martial Anga, Madrak de la Dragon Héritage du Monde, Monteur Hyper Psychique, alors, Mesmérisme de l'œil Maléfique, Goulastra, en noir, ok. Domaine de l'œil maléfique. Je connais une qui voulait me la piquer. Anémone. Ah, parfait! Parce que j'en avais qu'une seule, donc passer en x2, c'est génial. Chevalier Dragonité. Ok. Allez, joli. Valkyrie Verte. J'en connais une qui voulait me la piquer. Escadrille de longues oreilles. Parfait pour un petit deck secret qui va arriver bientôt. Neige Marin Cesse. Esprit Tennis. Putain, parfait, je vais remplir mes tennis. Du Bête Gladiateur. Vespasus. Bulldozer Brutache Infini. Point du sang égal du tennis. Je vais peut-être pouvoir même finir mon deck tennis. À voir. Ben. Vu que c'est les mêmes cartes que l'an dernier, tu veux juste avoir des doubles. Mais non, parce qu'il y en a que j'avais pas vu. J'ai pas tout acheté donc. Ah, ouais. Ita. Ouais, ça me prend, c'est bien.
Ita la charmeuse de feu en flamme, Espriteini Adara, Dino Luther Rambrachio, Cataclysme Dragard, Aile de Pégase, ouais, Valkyrie encore, Dame de la Néocloche de feu, Zerziel, Maître de l'Emmaphique, je les ai toutes, mais c'est oh, Dragon Exit parfait bien. Ouais, trop bien. Rotation sur place, Prison de l'Abomination, Dragon Quantique Cybers, Gourou Subterreur, Retour de la Bête Gladiateur, Ferme Tyran, Que en couronne marin cesse, Atorix Bête Gladiateur, Jumelle désenchaînée, Rakea et Océan de combat marin cesse. Je te mets celle de côté, il me le faut. Bah, tu sais que j'en ai plein des rotations sur place. C'est vrai? Non, mais il m'en faut plein. Peut-être me le dire. Alors. Salamangrande loup. Bah, attends, je mets là de côté pour l'instant. Salamangrande loup du soleil, vous êtes en danger. Oui, je suis à côté de Marine. Donc. Dino Luther, Giga Spinovat, Fusion Dino Tyran, Rémécurance Salamangrande, Roquette Synchronique, Remonteur des voleurs du temps, Roger du Gladiateur, Sacrifice Paisible, Âme désenchaînée de la rage, Fusion Néos, Danger Excitation Mystère. Oui, c'est ça, Excitation Mystère. Je ne l'avais pas en carte danger, celle-ci. Confrontation de l'œil maléfique. Draperie artisane sorcière. Mm-hmm. Au sein de combat, Marincès. Miroitement illusien. Dinoluteur Violix. Ange de mer, Marincès. Oh, j'ai toujours. Voilà, alors, on va vous dire quand même, on recherche principalement soit IP, soit Palooza. Voilà, hein, on va pas se mentir. Non. C'est les cartes qui sont prisées. Ouais. Allez, maintenant, du coup, c'est ton dernier paquet. Et ouais. Il me reste, hein. Alors, Croiseur de la Croix, Héros Extra, Bouclier Dragarde, Connecteur Néospace, Barre d'Arc de la Dragarde de l'Héritage du Monde, Danger Pied de Force, Manche Lag, oh putain, j'ai un nombre incalculable de fois, Mollusque Bleu, Marin 16, bah, tu sais très bien que tu vas la récupérer, Sauvetage Poisson à chair blanche, Goliath Chenille Infini. Chef d'œuvre artisan sorcier. Oh, Siku Farstar. Et je crois que. Ouais. Elle a une rareté spéciale. C'est une secrète. Ouais. Ouais. Crépuscule final pour les Valkyries. Et en mêlant spirituel, Courant Marincès, Esprit Ténina à toi, Escadrille des Longues Oreilles, Retour à la Normale et Dragon Galaxy Spiral. Oh, Dragon Galaxy Spiral, j'en ai un nombre incalculable. Et c'est parti pour le dernier des boosters, celui qu'on appelle le BG. Alors, on commence avec une petite Valkyrie Funfté. Salamangrande Perrault. Fusion Farstar. Alors, attendez, je vais mettre comme ça. Salamangrande Fennec. Dino Luther Coelazila. Dino Luther Martial Ankylo. Trancheuse Chenille Infinie. Âme désenchaînée de l'angoisse. Valkyrie Sechte. Chef-d'œuvre artisane sorcière. Indumenti. Ta pote. Oh, je déteste cette carte. Lien Maï Arc-Démon, Défenseur du Labyrinthe, Perfection sans défaut du Tenny, BVS Vaisseau Canon Destructeur, Récétal pour le Cycle du Dragon, et Kato Blepa, Famille de la Maléfique, et pour terminer, un Esprit Tenny, Nahata. Bon, bah il peut imaginer, il peut te tomber, puis toi t'as eu plus de cartes qui t'intéressent que moi. Oh, t'as eu des cartes qui m'intéressent. Oui, ça j'imagine bien, Vivi. Bon, bah en tout cas, toi aussi t'as eu des cartes qui t'intéressent, enfin, pas beaucoup, mais j'ai plus de cartes qui t'intéressent que toi t'as de cartes qui m'intéressent. Bah après, on fait des échanges, j'ai déjà tout, Valkyrie, il y en a quelques-unes, je les ai déjà. Donc... Ouais, mais bon, alors... c'est une boîte qui est très sympa, ouais. Est-ce qu'elle est très rentable par contre? J'ai pas trop regardé les cotes, mais je crois que ça vole pas très haut par contre, malheureusement. Faut voir. Non, c'est pas des... Wait and see, comme on dit dans le milieu. Wait and see. Bon, dans tous les cas, nous on fait des gros bisous. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, en ouverture, par contre, je ne sais pas où est-ce qu'il y en aura une prochaine. Parce que je ne sais plus les dates des sorties, mais on essaiera de se ouvrir quelques boosters. Il n'y aura pas de display au mois de septembre. Raison financière. Allez, bisous à tous et à bientôt. Bisous à tous. Ciao. Ciao.